deuxième jour sur la Via Podiensis. On a fait le plus dur, hein, clairement, hier. On a trouvé un spot pour dormir vraiment excellent. On a pu prendre une douche, on s'est bien reposé. Donc là, on repart d'attaque pour une seconde journée. Ça fait plaisir. Il est 6h, le soleil se lève et c'est parti direction le Morvan. Les amis, c'est parti pour la montée de Vézelay. Ça commence tout doux, mais ça va attaquer dur, je le sens. On connaît, de toute façon, on sait que ça grimpe jusqu'à la basilique. Vézelay et la basilique, départ de tous les pèlerins. 90. On attaque la longue ascension pour atteindre le plateau du Morvan. Et après s'ensuit une succession de bosses avant d'atteindre Autun. Mais bien sûr, on ira se ravitailler au lac des Sétons. Voilà les amis. On est folle. Folle de pleine face. Salut. On arrive enfin du côté du lac des Sétons, on va pouvoir se ravitailler, on trouve un restaurant pas loin du lac, on dévie un peu de la trace, c'est dimanche, donc on profite des restaurants ouverts autour du lac pour se ravitailler. Une fois le lac des Sétons passé, on monte jusqu'au col de la Croix de Chèvre pour redescendre tranquillement sur Autun. Autun ! Hello les amis ! 205, il est 18h, on a quitté Autun il y a à peu près 15 km et on se dirige vers le Mont Saint-Vincent pour la fin de l'étape. Une dernière bonne grosse difficulté nous attend pour la montée du Mont Saint-Vincent, une montée sur plusieurs kilomètres. À peu près 250 mètres de D+, avec des bons gros raidards à la fin. Celle-là me laissera bien vidé d'énergie et limite déshydraté. Alors j'ai pas filmé la suite, mais on trouvera un coin de bivouac juste après, juste la montée d'après en fait. Cette journée très très chaude nous aura quand même bien fatigués. On a pris le départ pour la troisième étape. Premier pointage direction Cluny. Hier soir on a trouvé un petit spot bien sympa en haut d'une montée bien raide. Heureusement on a trouvé des gens qui nous ont aidés, qui nous ont offert un tuyau d'arrosage pour se doucher et un bon petit spot avec une vue à 360 degrés. Bref, le panard. Là on reprend. Et une journée qui nous attend avec le col des Super à la fin.
Début de journée, donc commence en direction de Cluny, puis la Bénisson de Dieu, donc des routes quand même assez roulantes, avec quelques petits taquets toujours, hein, par-ci par-là. Et en direction, on arrive direction le Massif Central avec le col des Supers. Suivant les belles rives de la Loire, on en profite pour appeler un hébergement et trouver une auberge de jeunesse derrière le col des Supers. Hello les amis, petit update. Donc nous sommes toujours sur le troisième jour de la Via Podiensis. Cela fait 157 km de parcouru. Et donc on est en direction du col des Supers. Un col qui fait à peu près 1000 mètres de D+, pour à qui ça parle. Et donc on a réservé un petit hébergement dans un gîte derrière le col. Voilà, donc ça c'est le plan de la journée. Ce soir, le col des Supers, col de Baracuchet. Puis col des Supers, puis col de Saint-Martin-de-l'Orme. Et oui les amis, les Audax sont des vrais grimpeurs. On commence l'ascension du col des Supers vers 18h30-19h après un gros ravitaillement à Montbrison. Donc on a pris de quoi voilà, se nourrir et s'abreuver tout le long de la montée et derrière, parce qu'on va sûrement arriver tard, donc il va falloir aussi prévoir l'arrivée. En mètre à 1267, et oui, bon il en reste encore deux. Hein. C'est pas gagné, mais ça va y aller. Et donc après presque 2 heures de grimpe, on arrive enfin en haut du col des Supers. On redescend jusqu'à Saint-Martin-de-l'Olme, mais en fait on remonte, on a encore à peu près 300 mètres de D+, pour arriver jusqu'à l'auberge de jeunesse, donc voilà, on a encore un peu de route. Arrivé au col des Supers. Yes. Avec un magnifique coucher de soleil derrière le col, franchement, on peut pas rêver mieux. Calvaire est à droite. On termine cette troisième journée dans le massif du col des Supers. On rejoint notre auberge de jeunesse. Là. Il y a un peu plus de route, donc forcément on traînasse. Il est 22h et des patates. Donc voilà, donc là on a hâte d'y arriver. On arrive entre 22h et 22h30 à l'auberge, le temps de manger un bout, de se doucher. On perd pas de temps, on se met directement au lit.